Bonsoir. Bienvenue à tous à cette séance, cette nouvelle séance de présentation de notre technologie à cordes, USKY. Et une fois de plus, c'est moi, Donatien Gérard. Et aujourd'hui, nous parlerons, comme d'habitude, tout d'abord des dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous verrons les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous enchaînerons avec les problèmes, les risques et les sécurités des systèmes de transport actuels. Nous verrons les possibilités et perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Qu'est-ce que Skywalk Community vous offre comme opportunité et quels sont les avantages, perspectives et bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet? Eh bien, alors, nous commençons. Désolé, minute. Voilà. Eh bien, nous commençons par cette nouvelle chaude qui concerne le Railway Technology, qui parle des avantages du transport de marchandises Uniski String Technology Inc. Les médias britanniques, Railway Technology, ont publié une publication partenaire. Uniski String Technologies ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine des transports de marchandises. Les auteurs de l'article ont analysé les principaux avantages du transport de marchandises qui comprennent tout d'abord l'intensité matérielle et durabilité. L'escatade à cordes ne nécessite pas d'entretien régulier et sa durée de vie peut atteindre 100 ans. Stabilité de la ligne à cordes aux différentes conditions météorologiques, ce qui permet de transporter les marchandises dans des régions où le climat et le terrain sont difficiles. Il y a la disponibilité et rapidité de transport des marchandises. Il est fourni par des supports intermédiaires qui peuvent être installés à une distance allant jusqu'à 3 km les uns des autres. En contournant divers obstacles, système de contrôle automatisé, occupation minimale des sols pour la construction des rapports au viaduc traditionnel. En conclusion donc, les auteurs de l'article notent que le transport de marchandises Uniski String Technologies Inc. est capable de transporter jusqu'à 100 millions de tonnes de marchandises par an. Et l'utilisation de ce transport peut devenir populaire en raison de sa grande fiabilité et de son respect de l'environnement. Un étudiant de l'université de Sharjah a présenté un projet de fin d'études sur la technologie à cordes. Les développeurs de technologies à cordes recherchent constamment des cadres prometteurs parmi les étudiants talentueux en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Donc, récemment, un ingénieur de la technologie à cordes, Oleg Kilo, a été invité dans le jury des travaux de thèse dans le cadre du programme Architecture et Design d'intérieur au Collège des Beaux-Arts et des Designs de l'Université de Sharjah. Luto, les représentants du collège ont demandé à utiliser l'un des futurs projets de la station du transport à cordes pour le travail de thèse de l'étudiant Mohamed Amiruddin. Le travail de l'étudiant visait, autant pour moi, à résoudre plusieurs problèmes sociaux et de conception, tels que afficher les espaces fonctionnels de la station, répartir intelligemment et avec précision les zones de travail de la station, rendre la station attrayante pour les utilisateurs modernes et pour les utilisateurs modernes des transports en commun. La conception, ok, il fallait concevoir l'aménagement paysager de la
station. Eh bien, voici à quoi ressemble le modèle qu'il a soumis. Tous les membres du jury, y compris Oleg Kilko, ont apprécié le niveau d'étude du projet de thèse de Mohamed, station de Skyport du futur à Sharjah. La représentante de l'université a exprimé sa gratitude à la Société de développement de la technologie Accord à Sharjah et a exprimé l'espoir de poursuivre la coopération dans le domaine scientifique. Regardez comment c'est magnifique. Comme quoi, le transport Accord touche toutes les couches de la société. C'est quoi donc cette technologie de transport Accord-là? Il s'agit d'une solution innovante au problème moderne du transport urbain de marchandises et à grande vitesse. Le projet international qui se déplace en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a vraiment pas d'analogue dans le monde. Ça, c'est un fait. Regardez cette photo qui date de 1914. L'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. Et il y a là une escatade à jurer avec un wagon suspendu. Un avenir proche, je crois que nous y sommes déjà avec la technologie de transport à cordes. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Et cette situation, vous êtes déjà familière, pas seulement par les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1 qui se déplace à la surface de la Terre directement. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par accident de train, navire, avion, acte terroriste, conflit militaire ou blessure professionnelle, c'est plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements et le transport affectent l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises. Les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, trafic dense des routes de transport qui causent bien évidemment les embouteillages et le manque de sécurité qui cause aussi la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Elle vit sa vie et essaye de résister à ce dernier autant que faire se peut. Mais l'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie lui-même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus du tout supporter. Ainsi donc, le troisième problème majeur de notre époque se prononce, la pollution de l'environnement. Notre couche d'ozone souffre tellement et pour qu'un monde soit plus vert et plus sûr, on a besoin de passer à l'électricité. Mais le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles. L'un des moyens de sortir de cette situation est de créer donc des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Alors, dans différentes années, de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre, plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites, comme au siècle dernier, en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Regardez bien ces photos qui datent de 1905 et de 1950. Ces photos n'ont jamais
auront jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies. Le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues rouleaux par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Bien évidemment, il ne faut pas du tout confondre ce nouveau système de transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Beaucoup de personnes le font. Écoutez bien, ils sont simplement tirés sur le câble et non pas leur propre moteur. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous examinerons donc aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Quoi de neuf? Et c'est le transport U-Sky. Qu'est-ce que U-Sky en fait? Qu'est-ce que U-Sky? En fait, c'est une infrastructure à cordes, OK? Constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place du système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet U-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Ici, c'est une image de l'écomaison en Biélorussie à l'écotechnopark dans la ville de Minsk. Et aussi, il y a aussi une autre pareille à Sharjah aux Émirats Arabes Unis dans le centre de recherche et d'innovation technologique. Ça, c'est juste une autre image ou une autre perspective de ville linéaire. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, nous fixons le problème ici qui consiste à se déplacer d'un point A à un point B confortablement au-dessus de la surface de la Terre. Bien. Selon le schéma de production standard, lors de l'alignement de la surface terrestre, ou bien lorsqu'on veut faire passer un chemin de fer, eh bien, il est nécessaire de déplacer l'énorme masse du sol, de changer la faune et la flore. On peut voir tout ceci sur cette image. Aussi, la prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, on peut poser l'oreille et laisser rouler le matériel roulant. Mais pour éviter les travaux, des terrassements lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant donc un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde précédemment. Et au lieu d'un pont lourd et coûteux, okay, supposez que l'on le remplace par le câble. Les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports plutôt légers. Et ainsi, on va tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol. De la même manière que les câbles sont fixés sur le corps de la guitare. Enlevons les supports qui n'étaient donc pas nécessaires. Nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail qui reste unique carrément. C'est ainsi. Cette structure se présente en section. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. Les variantes de structure du rail à cordes, la tête du rail plate et la roue cylindrique en acier garantissent une consommation d'énergie minimale pour le mouvement. Le rail à cordes combine les propriétés d'un câble souple et d'une grande portée entre supports et d'une poutre rigide qui s'étend sur une petite portée, sous la roue d'un autorail électrique et au-dessus d'un support. Sur cette base, donc, il est possible de créer 3 types de structures de trajet, chacune ayant ses propres tâches et avantages. La structure de trajet rigide, qui peuvent supporter des engins allant de 100 à 500 km par heure, semi-rigide. De 50 à 250 km par heure et flexible de 30 à 150 km par heure. Regardez ici les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage
qui montre les haubans supportant le vrai pont. Eh bien, les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure du trajet à cordes. Et en passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement remplacée par une seule travée. Ceci n'est plus du tout un photomontage, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le centre de recherche et d'innovation technologique UST Inc. à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure. Ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. Et le passage au contrôle automatique permettra d'éliminer l'influence du facteur humain. Et bien sûr, la conception a un système anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge de la structure de trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. Imaginez-vous que, au lieu d'un pont lourd et coûteux, je veux dire, on peut subdiviser, okay, la grande composition en wagons automoteurs, séparer et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera donc pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons déjà à ces photos qui nous sont plutôt familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ainsi, voici l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité, la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie et de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation de carburant de celle-ci. Le transport de second niveau a cette particularité que les flux d'air d'au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. L'appareil que nous venons de voir précédemment, le voici en grandeur nature. Et cet appareil qui est un omnibus à grande vitesse, qui peut aller jusqu'à 500 km par heure, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport qui cause des embouteillages, le manque de sécurité qui cause la mort des personnes, la pollution de l'environnement qui détruit la couche de zone et la forte consommation d'énergie qui est à réduire afin de réduire aussi la consommation d'énergie des véhicules. Ainsi, dans ce diagramme, vous pouvez voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes de transport que USkyOff est peint en vert. On voit donc que ce transport est le plus optimal en termes de coût du capital, le coût des opérations, le niveau de consommation d'énergie, au niveau de pollution de l'environnement, la capacité et le taux d'accident de transport. Ce graphique montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. Et bien évidemment, USkyOff est à la tête et permet d'avoir un coût par kilomètre de l'ordre de 10 fois inférieur à celui des autres systèmes de transport. Vous vous imaginez, c'est carrément énorme, carrément énorme. Donc, le transport de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Tout le monde peut investir à partir d'un montant minimum de 50 dollars dans cette entreprise et devenir copropriétaire de cette technologie évaluée à plus de 400 milliards de dollars.
Un plan de versement pratique a été mis sur pied, divisé sur 5 mois, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer en cash. Et il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui et partis dans plus de 200 pays. Voyez à quel point ce projet est courtisé, ce projet est voulu, attendu par énormément de personnes. Les dividendes, c'est le premier élément que vous pouvez recevoir comme perspective d'investissement dans le projet. OK, les dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera et les choses s'en vont bon train, comme c'est le cas actuellement, on pourrait commencer à recevoir les premiers dividendes l'année prochaine. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme elle a fait en 2018. Les 5 000 premiers investisseurs de la société ont pu revendre les actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant investi. Les héritages, les actions sont votre propriété. Vous pouvez les transmettre à vos enfants et vos petits-enfants en héritage et profiter aussi plus tard de la hausse de la valeur de vos actions sur le marché boursier lorsque l'entreprise y sera. L'auteur de la technologie, c'est ce monsieur Anatoly Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 50 ans de recherche, de calcul et d'expérience, de 40 ans, je veux dire, de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chef de 2 projets d'organisation des Nations Unies, membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS et aussi président du conseil d'administration du groupe international de sociétés UST. Et les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site uniski.ingénieur. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Eh bien, actuellement, 7 modes de transport pour les passagers ont été développés, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et voici en grandeur nature quelques images réelles de ces différents systèmes de transport. Les différents véhicules, je veux dire, et 4 modes pour le transport des marchandises. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus de l'eau et les routes sans interférer avec les autres moyens de transport. Il s'intègre facilement dans n'importe quel environnement, occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport de second niveau, il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies d'accès des migrations des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a juste besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit et avec la méthode moderne de livraison de structures conçue par les drones volants, cela ne sera pas du tout un problème logistique. Et il n'est pas nécessaire de poser des voies de migration, des voies d'installation, des supports également. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Ayant donc ses propres supports, il peut traverser le bâtiment sans charger la fondation. En 2018, okay, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 salons exposition internationaux de Berlin à Singapour. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant, okay, le transport des personnes doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant donc que le transport à cordes a passé les tests peuvent être trouvés facilement sur le site. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine et plusieurs certificats, brevets et récompenses également sur les diapositives. Ici, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site uniski.ingénieur. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société Uniski Signe Technologies a été créée en Biélorussie en 2000. A été créée en Biélorussie, autant pour moi. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000
mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été conçues et fabriquées pour le transport urbain, interurbain et des passagers à grande vitesse et à hyper vitesse, suspendues et montées d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 35 tonnes. Quatre modèles, y compris dans la version tropicale, sont en cours d'exécution. L'argent des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie, en 2019. Chaque année, à l'heure de l'Écofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur cet endroit pour voir de leurs propres yeux la réalité de tout ce qui s'y passe. Et chaque année, quelque chose de nouveau ici est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis, dans l'Émirat de Sharjah. Le centre de recherche UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe international UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et aussi le marché de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction à Sharjah. Les transports aux Émirats arabes unis seront une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre. Et alors, dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera facilement à la nature, comme le fait aujourd'hui le métro et le tram. Ils ne s'y prennent plus, ils sont carrément confondus dans la nature. Ainsi, nous pouvons dire en guise de résumé que Transport raconte aujourd'hui que Yuskaya offre est innovant, c'est clair. Il se déplace au-dessus du sol à haute vitesse. Il est sûr, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, je vais vous laisser en vous disant merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous laisse avec cette vidéo qui vous permettra de comprendre l'urgence de se décider à rejoindre ce projet aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Je vous dis à ciao pour un prochain webinaire. Nous sommes dans le Nibus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, à Dr. Anatoly Levski. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu et je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes comme vous pouvez le constater, au centre d'innovation technologique de Sharjah, avec les autres invités qui sont venus de par le monde pour voir cette technologie de leurs propres yeux. Donc, adhérer massivement. Cameroun, Hoye, Africa, Hoye, Uniski String Technology, Hoye, Hoye. Good.